Oh là, on va arrêter. Betting Boy. Smooth comme d'habitude. On est rendu sain et sauf. Marjolaine Moffette a perdu la vue il y a 4 ans. Mais même si elle est aveugle, cela ne l'a pas empêchée, par une belle matinée ensoleillée, de faire une randonnée à bicyclette autour du lac des Nations. Super. Juste le simple fait, on se laisse aller. Il y a l'air frais, on est dehors, on fait de l'activité, puis au grand air en plus, fait que c'est bénéfique pour nous autres. Parce que j'en fais pas vraiment souvent, j'ai jamais l'occasion d'en faire. C'est le Centre de réadaptation de l'Estrie qui a organisé au parc Jacques-Cartier cette rencontre entre des handicapés visuels et des propriétaires de vélos tandem. L'initiation au vélo tandem de ce matin est une première, mais on voit par la belle participation, autant par nos conducteurs de tandem qui nous ont aidés que les usagers et les bénévoles, possiblement qu'on pourrait leur prendre là, pour initier d'autres personnes. L'idée derrière cette nouvelle activité a commencé à germer lorsque Hugues Mailloux a fait la rencontre de Paul McKenzie l'été dernier. J'ai simplement mis, une offre, je pense que c'est dans le journal de l'association ou en tout cas de l'association des malvoyants. Ouais. J'ai dit, moi, j'avais un tandem, puis si quelqu'un est intéressé à faire du tandem avec moi, un malvoyant, ben moi, j'étais disponible. Puis là, Hugues a appelé, ça n'a pas été très, très long. Puis là, on a commencé à faire du vélo, des petites sorties autour, puis après ça, on s'est aventuré pas mal. On a été aventuré au Carrefour de l'Estrie, on a monté la côte Don Bosco. À un moment donné, on est allé au sanctuaire de Beauvoir, on a monté la grosse côte. Fait que ça prend des méchants jarrets pour ça. Un, deux, trois, go! Et voilà! C'est vraiment un sentiment là, d'être comme les autres. Il y a un sentiment de liberté aussi, de sentir aussi la vitesse, de sentir le mouvement. Moi, je trouve que c'est un super beau sport. Le Centre de réadaptation de l'Estrie est toujours à la recherche d'autres propriétaires de vélos tandem pour participer à ce genre d'activité. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.